Moi, je jouais, je lis. Peut-être que c'est le match le plus important de l'année 2010. On a fait beaucoup de choses en 2010. On a gagné des matchs, on a gagné le titre. On était premier de la saison régulière. Et tout ça, maintenant, on va jouer un match très, très important jeudi. On fait un écart et les joueurs, 17 points, 15 points, 17 points, les joueurs, hop, 20, pour garder un peu d'énergie. C'est humain, c'est pas normal. Il y a encore 4-5 jours pour ce match, mais dans la tête, arrière, c'est toujours comme ça. Ils disent, il faut pas laisser, on se laisse, on va jouer ce match. Pour l'instant, on n'est pas prêt pour le match de jeudi, hein, parce que le match de jeudi sera un vrai bataille, hein, ça c'est sûr. On n'est pas prêt. On a beaucoup essayé d'être prêt aujourd'hui, comme ça, mais là, patinage, on fait un écart, on fait partie de ce qu'on fait, ils rigolent, voilà. Je ne sais pas pourquoi ils rigolent, mais je ne suis pas content du tout. C'est une catastrophe ce qu'on a fait là aujourd'hui, sur le terrain. Je ne dis pas que Strasbourg, c'est une équipe qui n'est pas forte, mais quand même, on pouvait être un peu mieux, un peu plus agressif. Il y a des joueurs qui ont, je ne sais pas, leur tête était où, ailleurs, je ne sais pas. En attaque, on trouve des solutions, on a des qualités, on met des paniers, mais quand même, on a pris 33 points pendant la quatrième carte. C'est ça, une catastrophe, j'ai jamais eu dans ma vie. Maintenant, bon, on va donner un jour de repos, comme d'habitude. En disant comme d'habitude, cette fois-ci, première fois, on va donner un jour de repos. On reprend lundi, on fait deux entraînements lundi. Et ben, on va jouer, comme j'ai dit au début, le match le plus important de l'année 2010. Malheureusement, en disant malheureusement, c'est le dernier match de 2010. Ce n'est pas pendant la saison, mais c'est le match le plus important. Il y a une chose, on a mis un objectif pour nous, de gagner les quatre derniers matchs du championnat. On les a gagnés. Ça, c'est un objectif qu'on atteint. Là, maintenant, on va jouer un match capital. Comme vous dites, c'est le match le plus important. On n'est pas prêt, mais on va être prêt. Je sais, on va travailler. Seul problème, je connais mon équipe. On a une équipe qui a besoin de travailler. Toujours faire des entraînements, mais avec le trafic de matchs. Un calendrier comme ça, on a joué 10 matchs presque plus par rapport à Strasbourg et 10 matchs vraiment très très costauds, des équipes, beaucoup d'intensité. On est venu ici, on est exécuté au premier aujourd'hui dans le championnat, qui n'est pas trop mauvais. Maintenant, il nous attend un gros match à Istanbul à faire et de gagner. On va voir ce qu'on peut gagner. Cela peut être difficile, bien sûr, mais on verra. Pour le cas de Fabien, c'est... Je ne veux pas dire ça, mais il faut que je dise, parce que c'est quelque chose d'important. Il n'a pas fait préparation avec nous. C'est le seul joueur qui n'a pas fait préparation avec nous. J'étais avec l'équipe de France. Et quand il est arrivé, c'était le 20. Moi aussi, c'est pareil. Il monte progressivement. Bon, mais... Fabien est rentré directement dans l'enfer, dans un chaudron comme ça, dans une situation très compliquée, aucune préparation, et première fois dans sa vie, il joue Euroleague. Il a poussé, et puis après derrière, voilà. Et voilà l'avantage de la préparation avant l'année, avant la saison, c'est ça. Les autres, ils ont fait une préparation qui a duré presque un mois. Lui, il n'a pas fait. Il était avec l'équipe de France, il n'a pas beaucoup joué. Et il est revenu, c'était 20 septembre, je crois, quelque chose comme ça. Il a fait un tournoi Étoile d'Or, un tournoi en Allemagne, mais bon, c'est tout un tournoi un petit peu facile pour nous. Et puis, il a commencé un deuxième. Après deux matchs après, l'Euroleague a commencé, il a poussé beaucoup. Puis voilà, après, je pense que physiquement, je
c'était un peu fatigant pour lui, comme il n'y avait, pas aucune préparation. Aujourd'hui, Mam a souffert de ça aussi. C'est parce que nous, on a fait une préparation physique, on a joué des matchs amicaux et des matchs amicaux et des matchs amicaux. Il y a des joueurs, par exemple, ils montent en régime avec les matchs, comme lui. Mais Fabien, malheureusement, directement, il a attaqué le top niveau d'Europe. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a gravé son truc. Et aujourd'hui, je ne peux rien dire. On a des joueurs pour compenser ça, ça c'est sûr, certains problèmes. Ouais, c'est dommage pour Fab parce qu'il est en train de monter en régime, c'est un joueur qui est en train de briller, tout ça, mais c'est là, c'est le basket, c'est comme ça, je ne peux pas faire beaucoup de choses. J'espère que ce n'est pas très grave, cette blessure, on va savoir ça lundi, mais moi, au moins, je ne suis pas docteur. Je n'ai pas vu les IRM, mais si je vois les IRM, je ne comprendrai rien. Mais je pense qu'il faut compter minimum. Fin janvier. Jusqu'à fin janvier, je ne pense pas. Mais après, derrière, s'il n'y a pas une déchirure, on verra.